Les centres de loisirs sans hébergement organisés par la ville de Arnes ont particulièrement bien fonctionné pour cette saison estivale de 2009. À peu près un millier de petits Arnésiens ont profité des installations de la commune. Les enfants étaient répartis dans les différents centres en fonction de leur âge. Pour les tout-petits, c'est l'école Zola qui accueillait la tranche d'âge des 2-5 ans. Concernant les 6-9 ans, ils étaient regroupés au centre Gouillard et les 10-13 ans avaient établi leur quartier à l'école Barbus. Dès 13 ans, les enfants de la commune pouvaient intégrer le CAJ de Bellamandel pour apprécier les activités suscitant l'intérêt des adolescents. Les activités proposées ont été nombreuses et variées. Travaux manuels quand le temps était défavorable, activités repas, confection de marionnettes, mais aussi les sorties à la mer ont été fréquentes au parc d'Olin où ils ont pratiqué l'acrobranche et d'autres activités de plein air comme le camping grâce à une météo estivale très favorable. Les portes ouvertes ont été organisées par les directeurs des centres de loisirs pour informer les parents sur les conditions d'accueil, montrer les objets confectionnés par les enfants et faire partager les thèmes abordés par les centres, à l'exemple de l'archéologie pour l'un, des jeux de plein air pour l'autre et le folklore pour le troisième. Au total, pas loin de 500 enfants étaient présents en juillet et presque 400 ont fréquenté les centres en août. Une soixantaine de petits Arnésiens ont profité de la même manière d'un centre de vacances à Autran, dans le Vercors, au cœur de la nature, où ils ont pris une grande bouffée d'oxygène. De plus, deux destinations, Grèce et Espagne, ont été mises en place par le service jeunesse pour les ados désireux de découvrir les camps itinérants. Dans l'ensemble, Philippe Buquenois, maire de Arnes, et Monique Mullem, adjointe à la politique éducative, ainsi que toute la municipalité de Arnes, affichent une grande satisfaction au regard de la réussite des différents séjours organisés. Le bilan 2009 est en tout point positif et même la météo était de la partie. Gageons que 2010 soit tout aussi réussi. Qu'est-ce qui arrive? On met pas de l'eau dedans. Allez. Waouh. 3. Attends, on met la paille. Ouais, c'est bien. Vas-y. Ouais. Les poings fermés. Les pouces en l'air. Chouchoua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